Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle astuce. Donc là, c'est une astuce pour nettoyer son petit diffuseur de CO2. Le diffuseur de CO2, alors moi je travaille avec Neo parce que c'est une marque que j'aime bien. J'ai aussi un Twinster à la maison. C'est des diffuseurs qui sont pas démontables. Je trouve qu'ils sont plus faciles à nettoyer. Et cette technique, c'est en fin de compte de prendre un verre d'eau qu'on va remplir à moitié avec de l'eau de Javel en autre moitié. Donc on fait 50-50 en fait. Donc vous prenez un verre, moi je les prends assez haut pour que ça puisse couvrir en fait tout le diffuseur. On place son verre à côté de son aquarium, on sort son diffuseur, on le met à l'intérieur du verre et on va laisser tourner comme ça 10 minutes pour nettoyer vraiment toutes les aspérités qu'il y a sur le morceau de céramique. Ces 10 minutes passées, je fais un verre que je remplis avec de l'eau et 3 cuillères à soupe de Sikkim Prime. Donc ça, c'est un produit qui permet de déchlorer. Ça va enlever toute la javel et c'est plein de bactéries et tout ça. Donc je laisse ça 3 minutes et ensuite, je remets le diffuseur dans l'aquarium et il n'y a aucun souci à se faire. Vous pouvez comparer sur la vidéo, vous voyez les deux diffuseurs avant après. Donc on peut voir que il y a une diffusion de plus de petites bulles et moins de grosses bulles. Ce qui est important dans une... Avec ça, c'est qu'il y ait une meilleure diffusion, plus homogène dans l'aquarium. Parce que généralement, une mauvaise diffusion, ça apporte vraiment des algues ou des carences. Donc voilà, ça c'était la petite astuce, comme d'habitude, assez courte. Et on se retrouvera pour la semaine prochaine avec la suivante. Ciao!